irlandaise Helen McEntee et pour cette réunion du Conseil Affaires. Une des premières conséquences concrètes du Brexit, puisque les deux agences européennes précédemment hébergées par Londres sont désormais relocalisées sur le continent. Soyez-en sûrs, je respecte la décision de nos amis britanniques de quitter l'Union. Je la respecte, mais je la regrette. Après plus de 8 ans passés à Londres, Paris va bientôt accueillir l'ABE, qui sera opérationnelle dans son nouveau siège de la Défense à partir du 3 juin prochain. Langue étrangère pour les nouveaux arrivants. Cette application s'appellera QIOZ, Q-I-O-Z. Nous sommes prêts pour tous les scénarios, avec une préférence marquée pour un retrait en douceur. Mais s'il devait y avoir un Brexit sans accord, nous serons également prêts, et c'est ce que je veux dire à la communauté française qui vit au Royaume-Uni, nous prendrons en compte leurs intérêts, leurs besoins, leur situation. Les assurances que vous pouvez donner à Madame May, il y a celle de la possibilité d'un report. Si Madame May vient avec une proposition nouvelle, en particulier sur la relation future, que cette proposition est crédible, parce que appuyée par la Chambre des communes et qu'elle correspond aux intérêts des Européens, nous n'aurions à ce moment pas de raison de refuser un report, sous réserve que ce report soit d'une durée limitée. Vous n'oubliez pas que les élections européennes auront lieu à la fin du mois de mai, et j'ai du mal à imaginer que le gouvernement britannique ait envie d'organiser des élections au Royaume-Uni pour le Parlement européen juste avant de quitter l'Union européenne. Pas d'autres questions ? Merci.